Et bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur la carrière suivie FS25. Et aujourd'hui dans cette vidéo, il va être temps d'attaquer nos récoltes de maïs avec une parcelle qu'on a récoltée qui est quand même assez grande. Vous allez voir, on va avoir une nouvelle moissonneuse, on va également faire du broyage avec un broyeur qu'on aura acheté en promotion. Bref, vous verrez ça dans la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, max de pouces bleus avant de commencer, merci à vous pour tous vos retours et votre présence à chaque fois sur les vidéos, les lives. On a fait quasiment 900 viewers sur le dernier live de ce dimanche, donc merci à vous, vous êtes là présent et même à chaque épisode, merci à vous pour le soutien comme d'habitude. Allez, j'arrête de parler, on se retrouve juste après l'intro pour attaquer les activités. Vous allez voir, c'est assez stylé. Et donc les amis, on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur la carrière suivie FS25. Bien évidemment, je crois que ça va être l'épisode 9 aujourd'hui. Donc vous l'aurez vu, nous ne serons plus tous les jours ensemble parce que bah voilà, c'est la première semaine où je voulais vous faire un petit peu ce rythme de vidéo forcément avec la sortie du jeu. Là, on va passer plutôt sur, on va dire, 3 vidéos par semaine. Voilà, petit à petit, on va reprendre un peu notre rythme de croisière normal. Donc il y aura plutôt une vidéo tous les mardis, peut-être jeudi et samedi matin, plus un live le dimanche, je pense que ça peut être pas mal. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, merci à vous d'être là présent. Merci à vous pour, encore une fois, les commandes de jeu FS25. Bien sûr, le lien est en description pour ceux qui veulent me soutenir encore une fois. Et ceux qui peut-être découvrent le jeu, ceux qui se disent encore, bah j'hésite. Et peut-être que si je vous donne envie, en tout cas, bah, vous avez un lien en description qui me soutient. Et merci à ceux qui le font, merci à ceux qui font les dons. Ceux qui mettent des pouces bleus, des commentaires, voilà, ça me soutient énormément. Donc merci à vous pour la force et le soutien que vous m'apportez. Désolé par contre pour ce live de ce dimanche, ça a été assez chaotique. Pour vous faire la faire courte, j'ai tout simplement la fibre depuis vendredi dernier. Live dimanche, sauf que je n'avais pas paramétré, j'avais pas mes lumières, changement de box internet, tout ça, j'ai pas reparamétré mes key lights. Pas mal de soucis également avec la connexion, enfin j'ai mal géré ma connexion. Il y avait un décalage son image, bref, c'était un peu galère, mais on a fini quand même par y arriver. Je suis désolé pour ce contre-temps, voilà, c'était ma faute aussi, j'aurais peut-être dû me renseigner un peu plus. Mais j'ai un peu zappé, pour moi ça allait se passer nickel. Mais pas forcément, donc du coup je m'excuse pour ça en tout cas. Bon les amis, on est de retour sur la carrière, j'ai sorti la massée, bah, vous l'aurez peut-être vu la miniature, dans l'idée ce que j'ai envie de faire. J'ai même trouvé mieux à faire, on va aller ramener cette machine au concessionnaire, on va la vendre cette massée, parce que c'est sûr que je veux changer de bécane de toute façon pour les récoltes. Ce qu'on va faire dans cet épisode là, parce que vous savez que je veux la petite Evion, et le souci c'est qu'elle coûte assez cher. Donc je me dis, vu qu'on a qu'une parcelle à faire, je pense qu'on va louer la Evion, parce qu'après on n'aura pas besoin de machine avant des mois et des mois avant la récolte de l'année prochaine. Donc c'est vraiment une parcelle à récolter, donc je pense que je vais louer la Evion. On va vendre celle-ci pour nous faire un peu d'argent, voilà. On va vendre la Evion, louer la Evion avec un cueilleur à maïs également, et ensuite on pourra du coup moissonner. J'ai encore le bug avec l'émission, je vais vous montrer ça juste après aussi. De toute façon, on va aller au concessionnaire, les gars, vous allez voir. On file, hein, les gars. D'ailleurs, j'aurais même déjà dû commencer à y aller. Petit gyrophare, je vais vous montrer le bug que j'ai avec les missions. On a fait la mission, regardez, le Valtra est toujours là. Hein, ça, voilà, c'était apparemment, vous me disiez que c'était normal, il y a beaucoup qui l'avaient eu et ça pouvait venir du Valtra. C'est un Valtra qu'on avait pris pour la mission de Panay, rappelez-vous, hein, voilà, vous connaissez ce qu'on a fait dans l'épisode dernier, où j'ai pas fini du coup parce que c'était trop galère. Et du coup j'ai repris une petite mission des chômages, je crois, en live. Et sauf que nickel, parfait. Puis après j'ai même pu revoir mes contrats, enfin après ça fonctionnait bien. Bon, ça me chie toujours la récolteuse, vous allez voir, la récolteuse à Panay et tout, c'est toujours là-bas. Mais j'ai validé la mission, j'ai pris mon petit doudou. Alors petit doudou, les amis, qui est un petit peu souffrant, qui n'a pas la grande forme, du coup il vient vers moi.
Bah, viens te coucher là, mon doudou. C'est pas la grande forme. Hein. Il est un petit peu mal à une patte et tout. C'est un peu compliqué pour Doudou. Plein de cœur, les gars, pour Doudou en commentaire. Néo, il est là. Bah, il va. Couche-toi là. C'est pas facile, mon doudou. Mais ça va aller, t'inquiète pas. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, par rapport aux missions, bah, le cas, les gars, il a respawn. Je vais vous montrer le cas où on a pris, qu'on a pris en mission. En mission, où on a validé, le matériel est parti, tout ça, bref, nickel. Hein. Bah, sauf que je reviens sur la partie. Ben, plus de... Ok, bah va-t'en, Noudou. C'est juste pour me faire un petit coup. Ok. Et bah, du coup, vous allez voir, le case a respawn avec le déchaumeur. En fait, le matériel de la mission. Vous allez voir, c'est juste là. Donc, s'ils veulent pas reprendre le matériel, moi, je vais le garder, le matériel. Il n'y a pas de souci s'ils en veulent pas. Moi, je le garde. On a toujours la crampe avec la récolteuse. Regardez, le matériel est revenu. J'ai pas triché. Hein, j'ai pas... Voilà, j'ai validé la mission et tout et tout. Et bref, regardez. On a le même matériel qu'on s'est servi pour la mission. Un déchaumeur, la masse et le puma. Ça apparemment c'est... Je pensais pas que ça allait le faire également avec cette cliente, donc c'est un bug apparemment connu de ce que vous me disiez. Donc pas de soucis, pas besoin de s'alarmer, de voilà, ça va être résolu. Mais s'ils en veulent pas, moi je la garde, hein. Je le garde le Puma, moi y a pas de problème, il va très bien. Hein. Comme le Val 3, ça me va très bien. D'ailleurs on va les utiliser un petit peu, bah on va en profiter les gars. Hein. On va en profiter du jeu. Du coup je veux la vendre pour combien? 47 000, ah c'est pas mal. Ah c'est pas mal, 11 000 la barre de coût, ah c'est pas mal. Ok bah allez je vends, de toute façon, oui, ok, oui. Voilà, voilà, mais bon, tu nous auras pas servi bien longtemps, mince, tac, pas servi bien longtemps, mais bon, c'est toujours ça, donc là, on monte à 94 000 euros, parce qu'on a dû reprendre de l'emprunt, machin, enfin bref, là, la Evion, les gars, je vais la louer, alors pour combien, j'en sais rien, ah oui, non, je vais acheter ce Bednar, le broyeur, celui-là, je le prends aussi, les gars, petit broyeur Bednar qu'on avait en promo, on s'était dit en live de le prendre, je l'achète, il vaut le coup, oui, pour broyer derrière les maïs, d'ailleurs, on pourra peut-être tester, ça, c'est quoi, ce truc? Ah, mais oui, c'est la... D'accord, c'est une abatteuse. Ouais, c'est énorme. Non, ça, j'en veux pas, par contre. Ça m'intéresse pas. Ensuite, niveau moissonneuse-batteuse, l'Evion, il y a les massés. Bah, celle-là, on les connaît par cœur. Moi, je voulais prendre cette petite Evion. Je l'ai pas testée. Aussi, on a testé en live de découverte, mais vraiment vite fait. Du coup, voilà. Puis, ça reste la moins chère. Donc, je vais la louer, par contre, pour, j'imagine, plus de 10 000 euros. Oui, ok. Et avec ça, bah, on va prendre le cueilleur qui va le mieux. Sachant que peut-être qu'il y a des cueilleurs qui vont sortir. En fait, c'est pareil, la Evion, je ne vais pas l'acheter tout de suite parce que je me dis, il y a peut-être des Evions modés avec lycée qui va apparaître et tout. Donc pour le moment, c'est, voilà, on va la louer. Pareil, le cueilleur, bah, je vais prendre le Capello en 8 rangs. Hein. C'est un peu gros pour la mécane, mais bon, ça va faire le taf. Hein. Voilà, et hop, nickel. Ah, la petite Evion. Donc après, on va la rendre ni plus ni moins juste après. Ah, j'ai pas paramétré les pneus. Bon, c'est pas grave, il n'y a peut-être pas. Il n'y a peut-être pas grand chose à faire niveau pneumatique dessus, de toute façon. Alors attends, il est où? Oh, déjà, ça y est, je commence à rentrer dans le. Il est où le cueilleur là? Là, c'est le broyeur. Ah, bah il doit être derrière là. Attends, ah oui, je passe pas là. Ah oui, il est là-bas, non? Je le vois pas. Où est-ce qu'il est, mon petit cueilleur là? Ou alors, il a peut-être spawn derrière, non? Derrière le bâtiment, il y a peut-être moyen d'en remettre, non? Oula? Non mais attends, c'est un sketch ou quoi? Je vois pas mon matériel. Attends, je perds la boule ou quoi? Je perds la boule. Attends, je fais un tour gratuit. Non, mais attends, c'est quoi ce délire? Je l'ai loué, je suis pas con. Est-ce qu'il spawn ici? Non. Ah mais attends, ça se trouve, ça l'a pas loué. Parce que j'ai peut-être plus de place. Eh oui, ça va être ça à tous les coups. Oh là là, ça commence. Alors attends, comment je peux voir quand même pour être sûr? Véhicule, Capello. Est-ce que vous voyez marqué Capello? Sauf par ordre alphabétique. Y a pas. Donc je l'ai pas loué en fait. C'est qu'en fait, moi je vais tellement rapidement qu'en fait, j'ai pas le temps de voir ce qui est marqué. Que ça se trouve, ça m'a mis qu'il y avait plus de place. Et moi j'ai cru que ça me l'avait loué. Voilà, loué. Oui. Et là du coup, normalement c'est bon. En fait, c'est bon. C'était ça. C'était ça le souci. C'est que du coup, moi je vais tellement vite. Dans mes choix de... Dans mes véhicules, machin... Enfin, tu sais, quand tu loues, quand t'achètes, machin... Que j'ai pas le temps de voir ce que ça me met. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, bah, c'est en fait le premier... Bon, là, le cueilleur, il va être un peu démesuré. Bon, ça, c'est le mieux, hein. Enfin, démesuré, oui, non. Ça fera le taf, hein. Allez, go, direction la parcelle. Je crois que c'est par là. On va mettre les gyrophares. Alors, attends. La parcelle 80... non, la parcelle 25, pardon. Ouais, nickel, c'est pas grave. Bon, on continue tout droit. Impeccable à bord de cette petite Evion qui fait un peu de cheap, mais ça c'est surtout le compteur en bas là, il fait un peu de cheap ce compteur là, c'est vrai que bah c'est la
En termes de peut-être de finition, c'est la voilà, c'est l'entrée de gamme un peu de chez Classe, hein, donc c'est la petite qui remplace la Dominator. Mais en termes de finition, elle est sûrement pas aussi bien finie qu'une Trion, qu'une Lexion forcément. Avec l'ordinateur, voilà, qui fait un peu, on n'a pas l'habitude de voir comme ça cet ordinateur-là. Mais bon, ah oui, ça, j'ai sûr que j'allais monter dessus. Donc je vous le dirai si j'ai bien fait. J'ai pensé à ça, on n'en a pas discuté forcément en live. Vous me direz si là, c'est plutôt une bonne chose d'avoir fait comme ça. Voilà, encore une fois, vous savez que je fais beaucoup de boulettes, comme d'habitude. Mais bon, je me suis dit, ça pourrait être pas mal de la louer, parce qu'après, s'il y a peut-être des moissonneuses plus stylées qui vont sortir plus tard, on pourra peut-être en acheter une. Puis là, on va pas s'en servir avant au mois de juin, juillet prochain, dans le jeu. Donc, avec clignotant. Ah, mais clignotant, il marche pas là. Ah, il marche toujours pas. J'arrive pas à le paramétrer comme il faut. Bref. Donc, voilà, on va arriver à la parcelle. On prend le petit chemin. Il fait beau. Nickel, belle journée qui s'annonce, il est 9h du matin, mais ça va le faire. On va attaquer de moissonner. Et la parcelle est pas très grande, je pense qu'avec un cueilleur 8 rangs, les gars, ça, elle se déplie comment la Evion? Elle se déplie comme ça. Ah, j'aurais pu passer. Ouah, faites 8 rangs. Ouah, ça va, ça fait. Je pensais que ça allait faire vraiment gros comme cueilleur, mais non, en fait. Allez, première moisson de maïs. Les gars, j'ai jamais récolté du maïs, je crois encore. Hein. Non, on l'a jamais fait, hein. Ah oui. Oui voilà, c'est moi qui n'avais pas activé comme il fallait. Allez, c'est parti. On va se repositionner. Voilà. Alors comment ça se passe là? Alors je vais peut-être baisser un peu le régulateur vitesse, sinon on va bourrer là. Cette à l'heure, c'est pas mal. Ouais, nickel hein. La texture du maïs est quand même stylée, hein, dans le sens où elle est vachement plus. Voilà, il y a un peu de vert, il y a quelques feuilles vertes encore, c'est plus réaliste. Peut-être que si on attend encore un stade de plus, enfin, vous savez qu'il y a plusieurs croissances, peut-être que si on passe une journée, peut-être que le stade change et ça change également de couleur, je sais pas. J'en sais rien. Bon, là, c'est cool parce que du coup. Alors, ce maïs, est-ce qu'on le stocke ou pas? Je sais pas. On aura plein de cultures à vendre. Il faudrait qu'on regarde si ça vaut le coup de stocker ou non. J'en sais rien. La parcelle est quand même grande, hein. Est quand même, je pense qu'on va détourer après mettre l'ouvrier. En tout cas, nickel. Hein. Non, elle va bien cette bécane. Hein. Bon, je pourrais rouler plus vite, mais bon, après, dans la réalité, ça roule déjà assez vite pour une machine comme ça avec un 8 rangs. Ça fait quoi, 6 mètres ça, de large, non? Bon, je pense que les cannes au sol n'ont pas trop changé la texture. Moi, je découvre, hein, les gars, le maïs grain. J'en ai jamais fait encore, donc je découvre. Après, là, on voit que la machine s'enfonce légèrement. Ça c'est assez stylé. Voilà. Cette marche arrière. Mais j'aime bien cette petite avion moi. Voilà, je vais pas m'embêter à trop détourer. Il y a de la place autour. Enfin, je vais pas m'embêter à faire 50 000 manœuvres. 18%. La parcelle, en fait, elle est grande. Moi, je pense que je mettrai l'ouvrier un peu plus tard. On va aller chercher une benne. On va prendre le Valtra. On va mettre la benne. Est-ce que je peux me servir de la crampe? on teste le puma avec la crampe au pire. Est-ce que je pourrais vider dedans? Je sais pas. Bon, ça vaut le coup de tester. Bon, écoutez, on va se servir. Ils en veulent plus du matériel. Ils nous le laissent. On va s'en servir. Nous, il n'y a pas de problème. Hein. Je pense pas que ça gêne. J'espère en tout cas. Parce que là, j'ai pas le easy développement au cas où pour faire des magouilles. Si jamais. Je suis dans le caca quoi. Vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pourrais pas changer de. Faire la manip pour me mettre l'argent ou quoi que ce soit si jamais ça venait à bugger. Là, je serais un peu dans le. Au faire, faut que je fasse un calcul et que je me rajoute l'argent après, quoi. Bref. C'est pas mal. C'est pas mal cette petite évion là. Ouais, je pense que la louer, c'est pas mal. Hein. Vous me direz, j'espère avoir fait une bonne chose. Parce que du coup, c'est vrai que c'est une bécane qu'on va pas se servir de cette moissonneuse là pendant un petit moment. Donc bon. Après, j'aimerais bien mettre d'autres animaux, mettre des chèvres et tout et tout. Donc ça, va falloir qu'on s'en occupe. Là, par contre, je vais peut-être reculer. Les rétros, on y voit bien en tout cas derrière. On voit dans le rétro, vous le voyez au-dessus de ma caméra là. Au-dessus de moi, vous voyez que franchement c'est plutôt bien. Enfin, c'est assez clair, la caméra est bien. Enfin, la caméra, c'est pas une caméra, mais le visuel est propre. Allez. Voilà. Hop, on va faire une autre passe.
Il y aura assez de place pour manœuvrer. Là, on a besoin de faire un petit détourage propre quand même. Hop, on va se foutre à l'eau. Voilà, et on est reparti. Ah là, un détourage nickel. Enfin, un virage, on va dire, nickel. Bien détouré, propre. Impeccable. Ah oui, il n'y a vraiment pas de longueur. Là. Après, ça repart en bas. La parcelle, je la voyais pas si grande, pour être franc avec vous, là. On a une belle parcelle, là. Bon, par contre, cette parcelle-là, je pourrais pas la remettre en blé, parce que la période de semis est finie. Je sais pas. On va peut-être la battre, on va la garder pour l'année prochaine. J'y mettrai bien des petits pois, là, parce que ça payait pas mal. Et apparemment, vous me dites que le petit pois, ça, faut qu'on regarde. Il y en a qui m'ont dit qu'on pouvait récolter la moissonneuse. Est-ce que c'est vrai, ces bêtises? Non, peut-être que c'est vrai, j'espère que c'est vrai. Parce que du coup, ça éviterait de louer une bécane énorme. Mais bon, c'est bizarre qu'il y ait des récolteuses de petits pois. Enfin, je sais pas, ça me paraît bizarre, moi. Mais bon, j'ai pas regardé. Enfin, pour être franc avec vous, donc on regardera, mais... Mais c'est cool. C'est cool. Voilà, après, même si l'ouvrier... même si on met l'ouvrier et qu'on n'a pas fini la parcelle ce soir... Enfin, aujourd'hui, dans la vidéo, oui, enfin, ce soir, parce que la vidéo sort le soir, et pourtant, la vidéo sort. Mais si on n'a pas fini la parcelle aujourd'hui, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on a attaqué, et ce qu'on fera, c'est qu'on va attaquer de faire un peu de broyage également derrière l'ouvrier qui va avancer. Donc, on n'a pas un course play non plus où il va venir vider tout seul dans la benne, mais bon, ça va être plutôt pas mal, je pense. Donc, non, bien content en tout cas de ça là. Je pense que c'est pas mal de faire comme ça nous remet un peu d'argent avec la vente de la. De l'amasser, mais bon, après, bon, il y aura aussi les ventes qu'on va faire avec le avec les cultures. On a de l'avoine en stock, on a également ce maïs là qu'on va voir. Est-ce qu'il serait bon? Après, ça va pas nous faire non plus, ça va pas nous faire 200 000 euros par culture. Hein. On va pas être bête, hein. Ça va pas non plus nous offrir des 1050 et une lection 8009. Hein, c'est ce que je veux dire, mais bon, c'est toujours ça. Il faut bien qu'on se développe petit à petit. Franchement, moi je me plais sur cette série là. Petit à petit on aura des modes, des bâtiments qui vont sortir, on va agrémenter la ferme. Donc pour le moment, bah, pas de raison, ça vous plaît pas mal en vrai, je suis assez content des vues que ça fait et que ça continue de faire surtout. Parce que beaucoup, il y a beaucoup de hype au début forcément, mais vous êtes toujours là présent à regarder, donc merci. Hein. Merci beaucoup pour ça, sachez-le, ça me fait extrêmement plaisir. Donc de vous voir aussi nombreux encore présents, puis de voir que, tout simplement que vous êtes là... À me suivre, à suivre mes aventures un peu folles. Mais alors, attends, mon rang là, il est où mon entre-rang là? Pff, oh, c'est pas évident d'y voir, on n'y voit rien là, non? Jackie est là. Ouais, il est là. Là, c'est, pourtant, je suis pile poil dans une. On va dire une allée là. Et c'est moins évident de voir où on passe. Ouais, là, si là, ouais, ok. Là, il est là. Ok, on le voit là. En tout cas, la texture maïs, vraiment, on en avait déjà parlé, on avait déjà vu, hein, mais elle est vraiment plus jolie. On voit bien les petites pépettes de maïs, on les distingue mieux, un peu plus clair avec le, on va dire les fans autour, je sais pas comment on peut appeler ça, je sais pas comment ça s'appelle sur le maïs, les feuilles sont autour des pies, hein, plus clair, on voit vraiment une texture qu'ils ont retravaillée, qu'ils ont retouchée, c'est assez joli. On va pas se mentir. Bon, là, ce que je vais faire, on va faire une trémie, je vais, de toute façon, elle est bientôt pleine, je vais aller chercher. Le tracteur, on va aller le chercher ensemble. J'ai envie de tester le puma avec la benne crampe. Hein. On va le tester. Hein. Bah attends, on va pas s'embêter. On a du matériel dispo. La benne est grande. Donc si ça veut y aller, j'espère que ça va y aller. Mais si ça veut y aller, let's go. Hein. On y va. Hein. Bon, on y va tout doucement de toute façon. Hein, voilà. Enfin, on y va tout doucement en termes de rythme de série. Là, ce que je vais faire, c'est peut-être repartir. Là, j'aurais peut-être pu faire une petite marche arrière et enfin faire un petit détourage un peu plus propre. Ah, j'aime bien les textures au sol, en tout cas de quand on passe, on voit vraiment le terrain qui s'enfonce où la machine est passée à contre-jour, ça fait un beau rendu, je trouve. Voilà, là je suis pas mal. Là je suis pas trop mal. Bon, j'espère que l'ouvrier va pas trop galérer parce que vu que j'ai attaqué le champ, c'est ça qui est un peu galère, mais sinon nickel. Non, en vrai c'est top, hein. Ah non, je suis même trop loin là. C'est parfaitement parfait. Bah, c'est plaisir de refaire un peu de moisson de maïs là. Ah, et puis rien que d'avoir, ouais, les traces au sol à côté, vous voyez là? À côté de ma caméra là. Comment c'est stylé de ouf. Ah ouais. Non, c'est bien, il n'y a pas à dire.
Vraiment, c'est joli, c'est stylé. Et ça fait plaisir. Avec 90%, je devrais pouvoir aller jusqu'au bout quand même. Et là, Evian, elle avance hein, dans les maïs là. C'est pas une Formule 1, mais elle avance quand même. Bon, en soi, le cueilleur, en vrai, ça va. Je m'attendais à plus d'écart en fait. Rien qu'en visuel, mais au final. Non, vous voyez, hein. Franchement, ça va. Il faudrait. Je pense que sur une machine comme ça, il faudrait un 6. Là, on est sur un 8. Mais. Regardez, hop là. Mais attendez voir, je vais. Ce qu'on va faire pour pas casser la parcelle, je vais venir mettre en bord ici. Voilà. Ça, on va venir avec le tracteur ici. Voilà. Est-ce que je peux passer au moins là, oui? Oui, si ça va y aller. On va laisser tourner. Allez, je teste avec le Puma, les amis. Et on voit ce que ça dit. Allez. Est-ce que je peux l'atteler? Ah, et si je peux peut-être pas atteler la Benz, vu que c'est pas la même mission, ça se trouve, ça va me dire que je peux pas. Ah, si, je peux. Bon, bah, y a pas de raison que ça aille pas, alors. Hein. Y a pas de raison que ça aille pas. Allez, go. Gyrophare. Et on est parti. On va mettre les feux. Nickel. Alors là, si maintenant dans le jeu il nous offre les véhicules après l'émission, c'est bien. Hein. Merci Giant. Hein. Merci FS, merci Farming. Merci de nous offrir les véhicules après l'émission. Ça fait plaisir. Hein. Ça c'est le. Ouais, là, vous êtes généreux les gars, merci. Hein. Non, bien sûr, c'est un petit bug, mais bon. Écoutez, ça permet en même temps de tester d'autres véhicules, comme j'ai dit, c'est une série découverte. On n'est pas là pour se prendre non plus la tête. On fera des séries un peu plus élaborées plus tard, quand les belles maps sortiront, notamment. Ah, c'était là, je crois. Hein. Allez, on tourne. J'ai oublié de tourner. À chaque fois, sur cette map-là, j'ai du mal à me repérer, par contre. J'ai vraiment du mal à me dire où j'en suis. Et du coup, bah, je rate plein de choses. Allez, hop. On va venir vider ça. Et ensuite, je vais reprendre la mission avec un petit accéléré. Enfin, la moisson, pardon, avec un petit accéléré. J'espère que je passe au-dessus. Oui, c'est bon. Ah ouais, ça vide, nickel. Bah écoutez. On va le laisser là. Hein. Ça vide impeccable. Ouais, puis après, je vais vous faire un petit accéléré. Puis on se retrouvera un petit peu plus tard pour faire un petit peu de broyage, voilà. Je pense que ça va être assez stylé. Elle est belle, cette petite. Je trouve qu'elle est vachement claire, par contre, là, la Evian. J'ai pas. Les gars, j'ai zéro retouche couleur par rapport à une plaque qui me dit, mais t'as un shader, t'as quoi? J'ai pas de shader. J'ai pas de retouche couleur sur OBS, j'ai rien. Vraiment. Hein. Donc vous voyez, là, avec le soleil, là, ça fait vraiment... Mais déjà, sur le 22, le jeu était un petit peu plus... Enfin, quand on arrivait à l'approche de l'hiver, comme ça, le jeu était plus sombre. Enfin, plus... Non, pas plus sombre, mais des couleurs un peu plus ternes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, du coup, là, je pense qu'on a un peu ce phénomène-là. C'est pour ça que c'est comme ça. Enfin bref, c'est pas grave, hein, mais... Voilà. Ah, j'aurais pu mettre le tracteur là, peut-être y ait plus de place. Je m'embête entre les armes, mais bon. Allez, bah je vous fais un petit accéléré les amis, puis on se retrouve un petit peu plus tard pour prendre la main sur... bah peut-être qu'on prendra, je sais pas quel tracteur, le S4 peut-être pour venir broyer, hein, on va en profiter, et venir broyer un petit... ou le masser peut-être, pour venir broyer un petit peu les cannes de maïs et voir ce que ça dit. We'll be right back.
Ok les gars, du coup, bah je vais prendre le Valtra. J'ai envie de prendre le Valtra, j'aime bien ce tracteur, du coup, bon il est beaucoup trop gros par rapport au broyeur encore une fois, mais on va écouter, on va en profiter qu'on a ces véhicules là avant que Farming nous les enlève. Du coup, j'espère que ça vous fait plaisir de. Voilà. On l'a pris souvent, on a labouré avec, on a semé nos radis avec. On a fait pas mal de choses hein, avec. Hein. Mais à chaque fois j'ai l'impression que c'est. Bah, c'est pas le même. Pourtant, s'il a été. Si, si, bah, si, ça doit être le même. Parce qu'il manque un peu de carburant. Mais il a zéro usure. Pourquoi pas. ouais, pourtant, on a bien utilisé. On a un peu labouré. On a semé. Ouais, j'avoue, choqué de. Est-ce que. Ah, je suis pas. Si, je suis en face. Non, pas du tout. Là, j'y vais un peu à tâtons. Je regarde même pas ce que je fais. Voilà, tac. Là, c'est bon. Bon, bah, écoutez, l'ensemble est plutôt sympathique. Ça valait le coup parce qu'il était en promo, donc on avait dit qu'on allait le prendre de toute façon. Ouais, bah ouais, il fait pas si petit que ça le. Enfin, le broyeur, en vrai, il est pas ridicule, hein. On a un sacré broyeur, hein, donc. Bah, ça nous fera normalement un petit bonus de rendement sur le prochain, si je dis pas de bêtises. Si c'est toujours ça, donc. C'est toujours, toujours bon à prendre, tout ça. Un petit peu de broyage en noir, du coup le rendu, j'ai pas testé moi le broyage de mon côté, j'en sais rien à quoi ça va ressembler. Mais en tout cas on voit qu'il est usé, déjà qu'il a des heures, parce qu'on voit l'usure, ici vous le voyez, bah là on la voit bien l'usure, il n'y a pas de souci. Attends, c'est là j'ai fit, ouais, à chaque fois je rate, oh là là, j'arrive comme un calu. Je vais juste mettre l'ouvrier à tourner dans les dans la moisson, là j'ai arrêté, ouais, j'ai vidé une deuxième trémie, hop. Donc là, je vais venir du coup. Hop, et on va travailler nous avec le GPS ici. Alors attends. Il conserve beaucoup de véhicules. Alors, attends, on va mettre le. Là, c'était mon GPS que j'avais activé. Ouvrier. Pareil, j'en veux de. Normalement, ça devrait être les mêmes lignes. Donc. Commencer par. Moi, je veux pas. Non, c'est pas ça, je veux pas. Voilà, comme ça. Tac, ok. Et là, normalement. Allez, mais dis-moi que t'attaques là, dis-moi que tu vas pas me faire une dinguerie, mais bon. Mais il chipote, par contre l'ouvrier chipote. Bon, faut qu'il se recale comme il faut, il n'y a pas de souci aussi, hein, voilà. C'est bon, c'est good, impeccable. Allez, moi je vais sortir mon GPS également, direction assistée, on va lui demander deux passes, oui. Afficher, oui, moi j'aime bien. J'espère que ça ne vous dérange pas d'afficher les lignes, parce que c'est bien pratique pour moi, j'avoue. Je l'active, je le baisse. Alors, je vais juste passer là. Parce que sinon, je crois que je vais taper dans la. Je vais peut-être taper dans le tracteur. Voilà, là hop, il peut reprendre sa ligne, pas de souci. Nickel, par contre, on va pas bien vite non plus. 12 km/h. Sympa. Ce petit broyeur Bennard là. Nickel, au moins ce sera broyé. On va regarder comment ça se passe pour les cultures qu'on va y mettre. Est-ce qu'on y met. Ou est-ce qu'on y laisse comme ça et qu'on y mette un. Ouais, je pense que. Je sais pas si on y met un radis ou quoi. Maintenant, je peux plus semer les radis. Donc, non, on y mettra rien. On peut pas semer les radis. Donc, niveau. Bah, je suis bloqué au niveau. Au niveau saisonnalité. Donc, il n'y aura pas de radis. Hein. C'est comme ça. Et puis, c'est tout. Ah franchement le GPS sur le jeu c'est quand même une dinguerie. Hein. Enfin, c'est quand même une bonne chose qu'il nous l'ait mis. Hein. Franchement. Après moi il y a juste un truc où je suis un peu plus mitigé. Enfin, ils auraient dû nous le mettre en option je trouve à l'achat. Parce que sur certains véhicules tu peux équiper ton vieux tracteur. Mettons je sais pas un 1455, je sais pas je suis celui qui vient en tête. Mais un vieux tracteur tu peux l'équiper d'un GPS, genre un GPS Trimble. Tu peux l'équiper, il n'y a pas de souci, c'est totalement faisable. Mais c'est pas tous les tracteurs qui ont un GPS de cette... voilà. Donc moi j'aurais bien voulu une petite option à l'achat. Après qu'il nous l'ait mis c'est top, y a pas de souci. Attention je voilà. Mais je préfère ça limite que voilà. Après t'es pas obligé de l'activer non plus, tu vas me dire. Après ça reste à toi aussi de l'activer quand t'as si t'en as envie ou pas. Enfin ça reste à toi aussi de l'activer ou non. Donc c'est comme si t'en après tu peux très bien faire comme si t'en avais pas non plus. Hein. Donc je viens d'y penser. Donc c'est l'un ou l'autre en fait. C'est à peu près pareil. Mais une petite option à l'achat, ça aurait été un peu plus on est réaliste encore, même si ça reste du coup très réaliste de le faire comme ça quoi. Je suis en train de voir le tracteur, les gars, il a 44 heures là.
Attends, mais le tracteur, il a 44 heures? On est d'accord, hein, le Valtra, il a 44 heures. Ou alors c'est le broyeur qui a 44 heures? Non, ça change pas quand je le remets. Non, ça va être le tracteur qui a 44 heures déjà. Mais pourtant, je l'ai pas utilisé 44 heures et puis. Ah ouais? Alors, c'est un tracteur d'occasion qu'ils nous ont mis pour la mission? C'est peut-être lié au bug aussi, je sais pas, il y a peut-être. Peut-être que c'est lié au bug, hein, j'en sais rien de. Au bug de par rapport aux missions, peut-être. Peut-être, peut-être, j'en sais rien, j'en ai aucune idée, mais je trouvais ça bizarre. Là, on voit le broyeur qui suit vraiment aussi les traces de. Qui tombe dans les passages de roue de la machine, on voit bien que ça se coud, hein, on voit que vraiment le. Ça, ça fait plaisir, hein, vraiment. Pas avoir un sol tout plat et tout. Ils auraient pu pousser encore peut-être le truc encore un peu plus et mettre des. Mais bon, peut-être que les modeurs arriveront à nous faire ça. Et peut-être nous mettre un terrain vraiment où tu peux. Où tu peux bah y rester, quoi, comme on dit. Hein, ouais, c'est ça. Donc ça, ça aurait été vraiment le top du top. Regarde donc. Si on n'est pas bien là. On a tellement attendu ce moment, les amis, malgré tout, de jouer sur ce FS25. On peut dire ce qu'on veut, qu'il soit pour certains réussi, pour d'autres un peu nul. Mais ça va pas empêcher les gens d'y jouer. Et je pense que ce qui va te remettre tout le monde d'accord, ça va être les modes qui vont arriver. Que ce soit les bâtiments. Pour ceux qui aiment bien jouer comme moi, on va dire, comme vous qui me regardez, vous aimez souvent mon gameplay, vous jouez souvent pareil que moi. Bah avec les bâtiments Masset Studio, déjà d'une, ça va nous refaire, ça va nous donner encore une hype supplémentaire au jeu. Donc ceux qui sont un peu, on va dire, réfractaires, bah du coup, ça va peut-être les. Voilà, ils vont peut-être. Changer d'avis, attends, je vais prendre cette ligne là et les maps françaises, des cartes des maps françaises qui vont sortir, les gars, on est d'accord que ça va être une dinguerie, donc ça va remettre tout le monde d'accord là-dessus, ça c'est sûr et certain. Pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus, donc le jeu, quoi qu'on en dise, malgré tout, il est réussi, enfin pour moi, mon avis. Voilà, après il y a des petits bugs, bon, ça, les scintillements, le bug de mission là qu'on a, quelques bugs par-ci par-là, mais bon, ça va être résolu avec une mise à jour. C'est chiant, c'est des choses que peut-être ils auraient pu voir, j'en sais rien. Après, peut-être qu'il n'y avait rien quand ils ont testé, peut-être que après bah ça a paru, j'en sais rien, j'en ai aucune idée, mais bref, non, ça va être corrigé, donc voilà, quoi qu'il en soit, on est tous très contents d'être sur le jeu quand même, je pense, en majorité. Attends, je vais peut-être passer là. Putain, c'est chiant ces arbres là. Ça passe nickel. Faire un grand tour pour pas grand chose là. Hop, et là je reprends ma ligne. Nickel, impeccable. Bah, je vous fais un petit accéléré les gars. Et puis on se retrouve un tout petit peu plus tard pour voir un petit peu où il en est. Peut-être finir la moisson en tout cas. Et clôturer cette vidéo. Allez les amis, on va aller vider la petite Evian pour le coup là. Bon, on va rentrer avec la benne dans le champ, je voulais pas forcément rentrer mais ça va permettre de voir aussi le tassement qu'on a avec une benne dans le champ. Une benne, bon, bah, elle est pas pleine, hein, moitié pleine mais bon. Ok, bon, il n'y a pas forcément de différence avec le tracteur je trouve. On tasse pas plus que ça, on ne marque pas plus que ça. Hop, et on vient du coup vider l'ouvrier comme ça. Il va pouvoir finir sa petite mission tranquillement. Puis je pense que nous. Bah après, bon, on va quand même attendre. On va pas les vider pour revenir. Ça sert à rien parce que ça devrait tout passer dans la benne, je pense. On va regarder. Si on arrive, on est qu'à. Ouais, on est même pas à 50% de benne. Donc ça va passer large. Large. En tout cas, ouais, vraiment, j'espère que les amis, cet épisode-là vous aura plu.
L'ouvrier, il va continuer gentiment, tranquillement. Moi, je vais continuer mon petit broyage. On va continuer un petit peu ensemble, je pense. Parce qu'après, oui, le maïs, c'est ça que je voulais vous montrer, les gars, aussi. Le maïs se vend bien, mais il est en train de remonter. Il va remonter et au mois de janvier, on a ça à vendre. Et bah, je crois, quelle autre culture on avait? C'était quoi quand dans le blé, on le passait dans le moulin. Ouais, le blé aussi se vendra mieux. Même s'il remonte bien là petit à petit, et pour atteindre 1224 euros, ben, on n'en est pas loin au final. Et ensuite, c'était quoi? C'était l'avoine, non? Oui, c'était l'avoine. L'avoine, quand on a 13 000, bon, c'est pas énorme, on a 14 000 litres quasiment. Et là, c'est pareil, c'est au mois de janvier. Avoine et maïs, on vendra ça au mois de janvier. Du chou chinois et tout. Il y a des trucs que je ne voyais même pas, des haricots verts, bon, ça, ok. Par contre, c'est les petits pois. Vraiment, les petits pois, c'est un banger, je trouve. On va même faire des petits pois en conserve, mais ça se vend plus, forcément. Même les petits pois, 3 432 euros la tonne, ça vaut carrément. Enfin, les 1 000 litres, ça vaut carrément le coup d'en faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on va juste finir. Hop, on va juste finir un petit peu de broyage. Enfin, du moins, continuer un petit peu ce broyage. Sinon, on est en train de rattraper pardon, l'ouvrier. Après, je finirai ça peut-être de mon côté. On finira ça ensemble. Je verrai. Je pense avoir un petit peu le temps demain d'avancer sur la partie. Puis après, on verra ce qu'on fait. J'aimerais bien qu'on fasse un peu de bois. Il y a du bois à débiter un petit peu. On a des missions de bois également. Donc pourquoi pas faire des petites missions bois. En vrai, ça peut être assez stylé. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà. Donc on se retrouvera nous bah, jeudi, hein, les gars. Pas mardi. Attends, mais c'est là. J'en rate un morceau là. Enfin, on se retrouvera jeudi, pas mercredi, pardon. C'est ça que je voulais vous dire. Ah oui, par contre, si, on a quand même marqué, je trouve, au sol, là. Avec la benne. On voit le passage à gauche, là, derrière ma caméra. Enfin, vous voyez, là. On a quand même marqué, je trouve. Donc, voilà, ce sera plutôt à ce moment-là qu'on fera le prochain épisode, hein, parce qu'on va essayer de maintenant faire tous les 2 jours. Voilà. Parce que même moi, en rythme de tournage et tout, c'est assez compliqué avec le boulot en plus et tout, de faire toujours un épisode par jour. Là, j'ai charbonné parce que voilà, puis j'avais tout qui était bien aligné pour avoir le temps d'avancer un peu sur les parties, de tourner, de monter. Donc voilà, mais vous inquiétez pas. On finira ça. Enfin, on continuera ça, pardon. Jeudi en vidéo. Et bah voilà, le prochain épisode après, ce sera samedi. Et ensuite le dimanche, le live. C'est pas mal comme rythme de vidéo. Bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un max de pouces bleus avant de partir. Merci à vous pour tout votre soutien, votre force. Comme d'habitude, vous êtes au top. J'espère que bah, ce que j'ai fait dans cet épisode-là vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait, vous. Si oui ou non, vous auriez racheté la Evian plutôt que de la louer. Si c'est bien ou pas. J'attends vos retours. Après, bien évidemment, on discute ensemble là-dessus. Il n'y a pas de souci. J'aime bien échanger avec vous pour ça et avoir vos idées parce que je suis loin d'être le meilleur, comme on dit, sur le jeu. Donc, vos idées sont toujours très bonnes à prendre. Et je regarde tous vos commentaires de toute façon. Donc, voilà, merci à vous tous pour ça. Allez, je vous laisse là-dessus. Moi, je finis tout ça. Prenez soin de vous et on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode. Ciao les gars.